c'est un beau purin. Un beau purin plein de merde. Ah, vous êtes là. Madame, monsieur, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, mais si vous ne creusez jamais de trous avec votre bêche, ben alors à quoi est-ce que ça sert d'avoir une bêche? En plus, on peut le reboucher si facilement, hein, mais il vous faut un seau. Bon, je continue ma macocoille. C'est tout mélasse, hein. J'aime bien, moi. Avant de repiquer cette petite merveille. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une petite jonquille avec sa toute petite quête. Regardez. J'aime bien, moi, les jonquilles. C'est toute ma vie. Et en plus, elles sentent si bon. C'est par dommage que j'ai le nez bouché, hein. Sans rien. Dès que j'ai du temps libre, et maintenant j'en ai vraiment beaucoup parce que, en dehors de cette émission-ci, moi je ne fous vraiment rien. Hein. Bref, je les amasse en gros tas, je passerai toutes mes journées à faire ça, ou plus qu'il en a, ou plus qu'il en a. Bref, j'enquille les jonquilles. Allez, maintenant retrouvons Francis qui brûle de patience. À toi, Francis. Entrée en grande pompe, je chausse du 49, petite pause tripotage de tige, et je repars de plus belle. Chers amis, je suis dans cette position saugrenue parce que ma toilette sèche est inondée. Elle est inutilisable et je suis obligé de me soulager devant vous. Grâce à cette touffe compacte, vous ne voyez goutte et elle dégage une odeur harpique. Harpique les fesses et surtout... Wop hop Francis, que je te coupe, je dois forer moi ici et ça ne va pas être facile, est-ce que t'as vu la mèche? C'est pour faire un trou loulou dans ce dessous de verre en bois. Allez, oh là là, je l'ai mis dans le mauvais sens. Allez, on recommence. C'est parti. Pas évident. Encore un petit peu. Tatin. Et maintenant, on le frotte dans trois écrans. Choisissez celui que vous préférez. Et alors, à la fin, ça donnera ça. C'est gay comme tout, hein. C'est une belle cage. Pourquoi faire une partie de cage-cage? Allez, je compte. Un, deux, mais non, hein. C'est pour mettre des chocs à pique à l'aide de cette panne que j'ai piquée à Bobonne. C'est une panne avant-dernier cri. Je remplis à ras-bord, et comme ça les osios penseront qu'ils pourront bien se régaler, et en fait ils n'y arriveront pas, c'est ça que j'aime bien. Après on claque le couvercle, allez on va l'essayer, regardez. On le met, voilà les osios, regarde, qu'est-ce qu'ils croient ceux-là, qu'ils vont y arriver? Oh non, allez foutez le camp. Luc, marie-couette ou arismen pan, ik moet pipi doen. Het is 10 jaar geleden dat ik heb gezegd dat ik harde natuur voor veel reden. Eerst reden Luc is in de kamer van Piet. Ten tweede, de papegaai maakt veel lawaai. Ten derde, ik haat Bergvo. Het is vol walen. Ik heb Nederlander, dus walen buiten. Ik ben beu van Luc. Het Frans is ga weg. Il moet naar de hospice. Nu, meteen. Als hij gaat. Dès je me rends compte à l'instant que Bobonne parle flamand. Et c'est sûrement pour ça que ça fait des années que je ne comprends rien à ce qu'il y a de baragouine. Qu'à cela ne tienne debout, madame, monsieur et les non-genrés, au revoir.